Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le troisième volet du projet 011, voilà, avec la réception du deuxième colis. Donc il va s'agir aujourd'hui de réceptionner la transmission et des accessoires. Donc on retrouve comme d'habitude l'emballage classique de chez Asiatiz avec la petite pochette de stickers, la facture. Donc ici avec la carte de visite, les stickers Boom Racing et Axial, voilà la petite facture. Donc on retrouve ici pour notre projet, alors pas mal de choses qui vont concerner la transmission. Pour commencer, on a ici des roulements pour le SCX10, donc des roulements Boom Racing certifiés Recon G6. Donc ce sont des roulements qui ont été mis à l'épreuve pendant le Recon G6, la compétition de 12 heures d'endurance. Donc vos roulements sont éprouvés, ça marche pas mal. Voilà, donc ça va permettre d'équiper un petit peu le SCX10. Donc on a ici en accessoire, en fourniture. On a ici une boîte de vis aussi de chez Boom Racing. Voilà, donc vis pour SCX10, vous voyez. Voilà, donc on a pas mal de vis différentes qui vont nous permettre d'assembler le châssis tout simplement. Voilà, donc... Ça va nous servir au montage. On a ici la transmission, le boîtier de transmission aluminium de chez Boom Racing. Voilà, un boîtier alu, on en utilise un déjà sur le Defender. Voilà, donc ça marche très bien. Vous avez la visserie qui est avec. Voilà, vous avez ici en même temps le couvre-couronne. Voilà, couvre-slipper aussi, Boom Racing en gunmetal, donc on est parti sur du gunmetal. La déco va être assortie, la déco de la carreau va être assortie, donc vous verrez dans un prochain tutoriel. Voilà, donc ici le boîtier de transmission, la transmission. On a ici le kit de pignonnerie Heavy Duty, voilà, donc pignon métal pour le SCX10. Vous avez toute la transmission pignonnerie métal, pardon. Voilà, vous avez le slipper, vous avez le pignon moteur, vous avez l'axe. On pensait qu'il allait manquer le disque, donc on en a repris un ici en plus de chez Axial, le disque d'origine du slipper, voilà. Donc ça peut toujours servir. Et on a ici les nouveaux déports d'amortisseurs pour SCX10, voilà. Donc ce sont des pièces qui se fixent, on avait testé les modèles précédents de chez Boom Racing, voilà, donc ici on teste, de chez GPM, pardon, ici on teste les nouveaux qui viennent de sortir. Ça permet de venir s'installer ici, voilà, et d'avoir un positionnement un peu différent. Donc vous voyez ici, vous avez trois trous, vous fixez ça dans deux des trous et vous positionnez votre amortisseur à l'endroit où vous le souhaitez. Donc ça peut être décalé, ça peut être remonté, redescendu, voilà, donc ça permet d'ajuster un petit peu comme on souhaite sa garde au sol et la position de ses amortisseurs. Voilà, donc pour rappel, le projet 011 sur base SCX10, donc ça c'est ce qu'on a monté dans la vidéo précédente. Voilà, donc la vidéo à venir, ce sera le montage de la transmission avec les pignons Heavy Duty chez Boom Racing, le boîtier de Boom Racing, voilà, ici, et le cache transmission. Alors ici il faut qu'on voit si on a le ressort, parce que il y a un ressort pour le slipper qui doit pas être livré dans le kit, donc ça il va falloir le trouver chez Axial directement. Mais voilà, les pièces arrivent tout doucement, le projet va se monter sympathiquement. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatiz Hobby, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.